Et salut tout le monde, attendez, je commence pas la vidéo tout de suite. Ouais, et c'est bon, je peux la commencer parce que vous avez vu, c'est un mal. Hop là, je lui donne un objet très important et je commence la vidéo tout de suite. Alors, il y a une multi-expérience là. Voilà. Et salut tout le monde, on c'est MacLeon85. Aujourd'hui on se retrouve pour Pokémon Platine après l'évolution donc de justesse, hein, j'ai juste de le faire évoluer, de notre cher Riolu. Wesh, marché sauvegarde imposé. Donc aujourd'hui, eh ben, on est parti pour 30 minutes de Pokémon et tout de plus. Donc la dernière fois on avait fait avec un peu de temps que j'ai justement de. On allait sur l'île de fer et faire qu'on a fait tous les combats. Alors j'ai pas récupéré la dernière Pokéball, c'est pas grave. C'est qu'une Pokéball. Alors, eh bien on est parti. Et aujourd'hui, on va faire l'arène de Géberge. C'est parti. Allez, go. Alors c'est pas quoi, c'est un combat qui tant que il n'y a pas de type fer juste. Enfin, qu'il a des types pour moi. Il a des types pour moi, il a des types faire. Parfait, c'est ce que je voulais. Ah, vous voyez, niveau 38. Je suis parfait, je suis parfait. Je suis très bien même. Attaque type seul sont extrêmement puissants sur les types proches et type acier. Aussi sur les types éclair, éclair et feu. Voilà, vous savez. C'est ça, c'est ce que je pensais. C'est un petit peu tard, dites-moi. Voilà, donc j'ai fait de l'éclosion intensive. Alors qu'est-ce que de l'éclosion intensive? Et bien en fait c'est de. En fait quand vous avez un œuf, si vous voulez qu'il éclose le plus vite possible, vous prenez votre bicyclette. Et vous faites du vélo partout, enfin vous faites des tours de map. Vous faites donc pas là, donc moi j'ai fait des allers-retours, mais à la Léopolis vous pouvez faire un rond en fait. Vous tournez un rond. Ça prend 5 minutes à peu près. Ça peut prendre du temps. Voilà, bon voilà, c'est très rapide. Bon, je sais pourquoi il donne peu, en fait c'est pour ça. C'est cheaté. Allez Dio. Soyons fous. Il a fait le niveau. C'est parfait. Ça va vite. Riposte, j'oublie, ça sert à rien. Bah c'est très bien tout ça, il a up de 10 niveaux avec 700 points d'expérience. Waouh, le Pokémon. Alors régime. Bon, ça a eu ses attaques. 32 points d'HP. C'est très bien. Attends, il reste combien encore? 175, ça va être super rapide, dites-moi. Alors, donc ici, le but c'est de monter en hauteur. Alors, ouais, donc ici, vous vous dites, ouais, il n'y a rien ici. Il y a deux, vous avez complètement raison. Je les fais tous, que je sais qu'il y en a un. Voilà. Je savais, ici, on a un qui est intéressant. Je vais dire Torterra, hein. Faut que j'XP, c'est lui qui va me servir. C'est lui qui va me servir. Pour toute le, presque pour tout le combat. Ce sera juste pour Archéomir. Non, Archéodung, pardon. Ah, voilà. J'ai envie d'essayer, punaise. Je crois qu'il a l'évitation. Je tente séisme. Yes, il a pas l'évitation. C'est con. D'ailleurs, c'est vraiment bête. Il va se faire avoir par cette attaque. Hop là, un up. On l'a vu, non, pas deux quand même. Je lui XP un peu galopas. Même si j'ai rien donné, mais bon. Ah oui, c'est vrai que c'est une évolution. Waouh, il est trop beau. D'ailleurs, je les ai pas soignés, moi. Stratégie en a pas, ça. Très stratégie en a pas. Yes, puisqu'il a volumé, il est beaucoup plus puissant d'ailleurs, il a 100 HP aussi. Yes, ça peut-être une évolution. Yes, à monter de niveau. Malédiction, continue.
feu. Je suis super content sérieusement d'avoir manqué le pain. Plus qu'un seul Pokémon, enfin maintenant deux. Réglou, de toute façon il ne veillera pas maintenant, faut qu'il ça son amitié soit au maximum. D'ailleurs je vais vérifier ça tout à l'heure quand j'aurai fini. Vous voyez ici rien du tout, c'est un combat complètement inutile. Aussi, ça c'est inutile. Voilà, donc je vais le faire. Hein. Je vais faire tous les combats. Électrique et type acier, ça fait mal hein, les deux ensemble. Je donne pas le jeu ça. De l'XP, de la pote, XP, hop là, niveau 15. Ruse. J'ai oublié une capacité, ténacité, allez. Je m'en fous, j'apprends n'importe quoi. Je lui apprends. Hein. Ça, il est content. Je veux que son bonheur soit au max, au maximum, comme ça, évolution. Quand il sera à bon niveau, je le gérer le Pux personnellement. Ça sert strictement à rien. C'est bon. Continue. Désolé. Désolé, tout le monde, c'est bon, frappe, c'est de retour. Il a recommencé, il a recommencé, il a recommencé. Non, c'est insecte assis, c'est pas volé assis. Heureusement. Heureusement d'ailleurs. Ah, le type insecte le protège. Aïe, 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 ça va faire mal, ça applique quoi, c'est puissant. Ah, ça c'est puissant. Ça a failli me hausse d'ailleurs. Enfin, pas hausse. J'ai pas des vies, bon. Quand même, vu des vies j'ai déjà perdu, ouais, c'était un hausse. Hein. C'était presque un hausse assuré. Ah, ça up, ça c'est sûr. Peut-être deux même. Non. Hop là, un nouveau Pokémon dans le Pokédex. Ça fait 140. Waouh. Ça va tellement vite. Je sais plus. D'accord, c'était le bon. Hop, 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 j'ai failli me faire avoir. Donc, je veux juste voir s'il y avait quelque chose ici. C'était le piège. Alors, normalement, c'est là où il y a les... Normalement, faut suivre les combats. Hein. Là où il y a les combats, c'est la bonne route. La preuve en est... Pardon, concentration, concentration. Niveau 35. Je sais pas combien de séismes, parfait. Un pour te tuer et deux pour tuer l'autre. Ou peut-être un seul suffira. Hop, 40, 136 PV quoi. Hop, niveau 17, parfait, 2 up. Ça me fait plaisir. Oh là, on change de Pokémon, pas gâché, un séisme pour rien. Ça fout hein, Torterra, il a un pur scopé d'HP, ben non. Je lui fais confiance. Expérience, voilà quoi, je perds du XP rapidement.
Yes, style XP. Un séisme suffira pour te tuer, ça c'est sûr. Lui par contre il est progivré, si ça je m'en souviens. Son le chef, le maître d'arène. Ouah, je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué. Ouais, ça me fait pas mal. Mon cher, il va suffire. Ça m'a fait peur, ça m'a fait peur. Voilà, le up. Ça c'est pas bon ça. D'accord, j'ai critique. Oh bah c'est parfait. Je critique plus souvent moi, dites-moi. XP. Yes. C'est bon, il y a la moitié d'arrivée. Par contre, j'apprends. Avant de combattre le chef, je vais voir à combien il est en cœur Ryelou. Juste savoir. C'est le dernier combat. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelques huiles? J'ai pas envie de retourner pour rien. Pas du temps. J'ai pas une huile, mais j'ai juste une huile de base. Si avec ça, je vais prendre ça. Hein. Je sais plus. Non, c'est Stylix son premier Pokémon. Arcodon, justement, c'est son Pokémon le plus puissant. Oh non, il a lévitation. Bon, bah, je suis mort. C'est pas grave. Ouh. Avez-vous vu la résistance de mon Mega Torterra? Waouh, tellement. Oh, j'aurais pas aimé ça. C'est cheaté ça. Pas deux fois. J'ai cru que c'était. Je croyais que c'était encore marqué Arcomir à la trouille. C'était cheaté. Cheaté. Alors ensuite on va écarter les Pokémon. Y'a le pas à toi de jouer. Sérieusement, je trouve ça dégueulasse. Dégueulasse. Merde, je puis tout. Oh punaise. Allez, écrase-moi. Ça fait tellement mal. Oh, c'est n'importe quoi. À chaque fois, je me fais avoir. C'est pas si fort sonner. Hein. Coup de par hasard. Merci. Je préfère ça. On meurt. À ce moment-là. Pardon, mais ça m'énerve ça. Ça m'énerve.
Soit je prends l'X-ray, soit je prends le carnage. Non, carnage. Mettre rapide. Un petit tour au... Sort un Pokémon, ça fera pas de mal. Comme par hasard. Oh non mais... Où suis-je en demi deux? Eh ben merci enfin. Ah désolé, ça me surprend. Oh j'étais critique, voilà, t'as compris. Il me fait perdre du temps celui-là. C'est bon, hein, l'arène elle va être faite dans cet épisode, ça c'est sûr. Yes, parfait. Fin du combat. Merci. Merci, merci. Okay, j'ai peut-être un up. Non, même pas. Non, c'est pas grave. Allez. On se dépêche. En plus, je commence à avoir soif. Hop là, salut toi, tout à l'heure. À tout à l'heure, allez go. On voit tout. Parfait. Bon, moi j'ai fait tout le monde. J'en ai même fait un aussi, lequel c'était pas obligé. Oui. Alors, je les soigne et je vous retrouve après. A tout de suite. Oh tout le monde, c'est bon, arrive, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés, vous êtes arrivés à destination. Allez, c'est parti, en combat, go. Tu vois, je vois, tu as vaincu mon fils, quoi, ton fils. Enfin, son passé, il y en a beaucoup encore. Moi, Charles, être à la hauteur, à part mon fils Pierrick. Très bien, Charles, c'est parti. Désolé, j'en mettais mon casque. Ouais, c'est bon, ça me va, ça me va, ça me va, c'est mieux donc. J'ai pas souvenir lui, il était là. C'est pas grave, un séisme. Ouh, ça, c'est ce qu'il me donnait après, tellement classe. Je sais plus rien, j'ai nul. Yes, c'est tellement bête. Il est dans les airs, le truc, il pourrait l'esquiver, mais non. Non, pas du tout, je veux pas l'esquiver, j'ai pas envie. Voilà, meurt. Deux fois la faiblesse là, t'es mort. La réo de prendre d'XP, ça m'énerve ça d'un côté. Oh, c'est vrai que là ça va être chiant, je continue. Niveau 38, ouais non c'est son Archéodong. Si c'est un épier, j'espère. Il va être chaud à battre, à la tuer. C'est un champion, puis il connaît même pas les types de Pokémon quoi. Pouah, il faut savoir que ça n'a aucun effet sur moi. D'ailleurs, tu viens de perdre un tour. T'es mort. Ouh, la souris, elle gêne, par mon souris. Voilà, elle est partie. Parfait. Tout ce que ça m'aurait donné. Allez, ah non, ça, non, c'est pas ce tuto. C'est vrai, c'est son meilleur Pokémon. Non, Archéodong, c'est dans Père. Justement, il n'y a pas un Mioton. Tu l'as remplacé par Mioton. Je sais pas si c'est mon ami, il y a le moment de vérité. Of course. Allez, go. Ah, je sais bien. Moi, sérieusement, je me trouve bien au niveau. Par rapport au départ, voilà, c'était simple XP, ça que j'aurais pu plus avance, mais là, non. Je suis fier. Wouah, je l'ai housse. Tranquille. Quoi, tout ce qui est. Oh, 1600, il m'aurait donné. 1700 même. De l'ivouille pas. D'ailleurs, oui, j'ai vérifié avant, il a un tout petit cœur, un seul. Tu as assez de talent pour venir à bout de ma grande équipe de Pokémon. T'en as 3, mon gars, t'es nul. Quoi ? Dans quel sens de la limite, je te confie le badge, mais yes ! Il me reste encore 10 minutes de vidéo à faire. Waouh, ça allait tellement vite. Tiens, prends également ceci. La CD 91, la CD lumineux canon.
aller sur... Et voilà, rien vite fait, bien fait. Waouh! Et c'est le badge 1000, bien joué, merci. Tu as assez grâce pour un fusion de devenir le prochain maître game. Bien sûr, ça n'arrivera pas, étant donné que je suis toujours numéro 1. Enfin, bref, ça compte dans l'unité avec Leon. Très bien, monsieur. Et ben, je pense que. On va. Ouais, on va faire un truc. Enfin, vous allez voir. Juste un peu. Allez, calme-toi, calme-toi. Ok, je vois. Tout le monde est là, McLean, tout le monde. Écoutez, il avait peut-être oublié, mais je dis évolution des Pokémon. Plus vie et plus mystère CP. Si certains Pokémon évoluent, d'autres pas, qu'est-ce qu'il y aura si différents les uns des autres? Sont-ils des êtres imparfaits forcés d'évoluer pour survivre? Si c'est le cas, que penser des Pokémon joueurs qui n'évoluent pas? D'autant plus que les Pokémon joueurs sont parfaits. C'est là que vous entrez en jeu, indiquez les Pokémon, Mirage, Vivre, dans les trois lacs de signes. Si nous pouvons obtenir leurs données, nous pourrons peut-être faire la lumière sur l'évolution des Pokémon. C'est un travail titanique, j'ai besoin de l'aide de chacun d'entre vous. Aidez-moi à trouver ce Pokémon que l'on conserve comme des Mirages. Et mais une minute, je n'ai pas eu Pokédex moi. À qui la faute, c'est toi qui as quitté le labo sans laisser le temps de t'en donner Pokédex. Mais peu importe, voir des Pokémon n'était pas possible quand tu peux aussi développer des informations. Je n'y manquerai pas, et puis ça sera bon pour un Pokédex. Tu viens aussi, n'est-ce pas? Ah bah oui. C'est une chance que j'aurais besoin de tout le monde. Bref, il y a trois lacs, le hasard veut que vous soyez trois. Par conséquent, vous allez vous séparer pour visiter un lac chacun. Aurore, tu iras au lac Vérité. Bien reçu. Enzo, je veux que tu enquêtes sur le lac Savoir. C'est loin d'ici, quasiment fait mon pic, la route ne sera pas facile, il faudra être un sacré sœur pour y arriver. Pas de problème, bébé, tu me connais. Tu sais bien que je suis le meilleur. Et tu sais quoi, j'avais justement l'intention d'attraper ces Pokémon pour toi. Pour te remercier de, vous, de nous avoir donné mes papiers sur vous de ça, même si je viens juste de m'en souvenir. Très bien, je compte sur vous. Alors c'est donc qui te reste là, courage, si je trouve, on trouve alors qu'il y a une chance, si vraiment est bonne. Oh, le boom! C'est fini. Personne n'est blessé. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La télé, allumez la télé, les infos, faites quelque chose, n'importe quoi. Non, je sais quoi. La vidéo que vous venez de voir est enregistrée par un témoin sur place, journaliste impressionnant. Qui sait ce qui pourrait être arrivé après cette explosion au lac? Pépé, ils sont bien dit que c'était une explosion. Mais pourquoi? La courage. Sortons, je m'inquiète pour la ville. Prudence en descendant l'escalier, les enfants. Maglion, tu devrais partir maintenant. Cependant, il pourrait y avoir des obliques. Reste sur tes gardes. Là ils sont tous effrayés tout le monde. Allez. Cette secousse n'avait rien de naturel. Et papy, les enfants, vous avez entendu ça? On raconte qu'il y a une énorme explosion. Mais il paraît que tout est rentré dans l'ordre, beaucoup de bruit pour vous, j'imagine. Pépé, j'y vais, j'ai un mauvais pressentiment. Ce Enzo, il ne tient pas en place. McLean, je n'aime pas m'imposer, mais j'ai besoin de toi à la courage. Il y a forcément quelque chose qui cloche avec rien. Pareil. Quant à savoir de quoi il s'agit, c'est une autre paire de manches. Mais avant que tu partes, je t'avertis, ne prends pas de risques inutiles, nous te rejoindrons dès que nous aurons fini le lac Vérité. McLean, ça ira quoi qu'il arrive, pareil. Ah bah bien sûr que oui, attends, tu me connais. Donc, voilà, donc vous avez compris, on va devoir aller au lac courage. Mais... pas seulement, parce que voilà, comme elle a dit, nous irons à la vérité et nous te rejoindrons après. Mais le problème, c'est qu'ils ne nous rejoindront jamais. Pourquoi? Ben la logique veut qu'en fait, c'est moi qui dois faire y aller. Je dois retourner chez moi. Allez, on part tout de suite pour Verchamp. Ah, ça monte bien tout ça, ça monte bien, je suis bien content de mon équipe. Allez, go. Je prends Étoraptor parce que j'ai vu qu'il était plus belle.
Riolou, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est très bien. Très bien, très bien. Ils sont tous prêts presque avec vous. Je tente un truc. Viens, crade de peau, il veut pas. Je vais voir s'ils disent. Et tu connais la zone de combat? Oui, tu m'as. Alors, ça, ça sera pour plus tard, vraiment tout à la fin. Il pleut ici? Puis quand il pleut là? Normalement, il pleut pas ici, hein, je tiens à vous le dire. Je crois. Il est mignon, mais il me saoule. A chaque fois que je suis mis, il faut toujours qu'ils apparaissent, on dirait. C'est frappe qui les attire. Qu'est-ce que ça fait? Vous avez fait des cachotteries. Ouais, non, il a jamais plu ici. Ouais, c'est à cause de justement du. Bah, d'explosion normalement. Hein. Je crois que c'est ça. J'ai pas souvenir qu'il pleuvait ici. Oh, il y a plus les journalistes. Allez, c'est parti, on rentre, on commence. Je suis un fou, j'ai envie de continuer l'aventure. Pouah, il y a la Team Galaxy. Un prochain arrêt de la vérité. La ville la plus proche est ce trou perdu qu'on a plus de produits. On y raconte. Pas à la moindre résistance. Alors toi mec, puis je vais t'exploser la gueule, c'est là d'où je viens moi. Mais t'es pas. Mais non. Oh des magicarpes. Ah, j'ai pas envie de les sauver. Tu es pas monté dans la boue. Quoi? T'as dit quoi toi? Elle cherche la merde. Vas-y, balance ton chaglam, tu vas voir ce que je vais faire ton chaglam. Envoie-toi. Moi je mets de tout, va être rapide. Va être vite fait, bien fait, ça moi je vous le dis. Yes. Ah quoi, c'est bien ce que je pensais aussi, c'était un peu trop beau pour être vrai. Ouah, il me donne rien du tout à cause de. Bon, allez, allez, cornet, bon, meurt. Il a le Pokémon du chef quoi. Ouais normal je le vois, c'est normal. Allez hop. Yes. Niveau 3. Ah ce que j'aime bien c'est qu'ils sont riches. Donc au moins ça donne plein de thunes ce truc. Attendez j'essaie d'y aller. Inutile. Bah ouais, grave inutile. Allez, épisode va durer encore plus longtemps aussi, hein, parce que j'ai vraiment envie d'avancer dans cette aventure. Donc voilà, je fais toute cette zone là, et ensuite je vais partir pour Bonnegueur, je vous laisserai là-bas à Bonnegueur. Et aussi j'arrêterai ma petite série de 3 épisodes. Petite session de 3 épisodes, sur mon 3ème épisode. Plus à Bonnegueur, on rentrera pour l'épisode 30. Waouh, 30 épisodes, sans sûrement d'ailleurs. Sans peut-être, ouais, je pense que je suis rendu à peu près à la moitié là, de mon aventure. De tout ce que je vais faire en tout cas. Parce que voilà, donc puisqu'on arrive à le Julie Berge, dès que j'aurai les 8 badges, je vais me lancer un quelque chose. Je vais lancer les codes Action Replay et récupérer les objets spéciaux pour débloquer donc, justement des Pokémon légendaires. Et je vais justement essayer de les reprendre. C'est de capturer tous les Pokémon légendaires, ça sera le but. La blague. Fraps, je te déteste. Merci d'être revenu sur l'écran du haut. Yes, ça passe. Du coup, ça a cassé, mais c'est passé. Allez, hop. J'aime pas ça quand ça me fait ce coup là. Je suis à deux doigts de up le truc. Non, t'y up pas. Comment est-ce qu'il fait les combats? Non, je suis exprès. Parce qu'il y a peut-être quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait ici quand tu es sur explosion? Bah, peu importe, tu arrives trop tard pour changer les choses. Vont devenir un peu plus intéressantes. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Chef pour avoir des Fiat Galaxy. Ouais, mais sans poisson, je suis tout explosé.
Trop de Pokémon là. Faire perdre du temps. J'aurais pu grave esquiver son combat lui. Tu souffres. Toi tu vas souffrir pour toi. Je t'avais prévu. Oui, 40, parfait. Tous ces cœurs repliqués. C'est tellement beau à voir. Yes, niveau 24. Lancement, on va oublier clairvoyance. Donc il a vive attaque contre forte paume et maintenant grincement. Voici les 4 attaques de mon cher Yolou. Qui d'ailleurs monte tout doucement, mais il monte de niveau. Hein, c'est cool ça. J'aurais dû tous être niveau 40. Alors ouais, là je vais avoir une grosse session de bugs après. Ça va pas être drôle. Et c'est parti, je le fais. La mission progresse sans accro, le chef devrait être satisfait. Nous œuvrons pour le bien du peuple et de la Team Galaxy. Je reconnais ce visage, c'est toi qui as attaqué le bâtiment ici avec 6 jours. Jupiter devrait avoir honte, tu es si jeune. Mais tous ceux qui résistent à Tigasse seront détruits. La seule pensée de résistance ne saurait tolérer. Team Galaxy. Et sors ton Quadox. D'accord, ok. Ok, moi je vais ton Quadox. Je suis passé parce que voilà, c'est normalement là j'ai cru pour deux épisodes là. Ça va prendre plus de temps. Enfin bon voilà. De toute façon là après, je serai à bon augure, mais après je vais XP Pokémon. Ils seront tous niveau 42. Quand vous me verrez. Sauf Ryolu bien sûr, il sera dans niveau 30 je pense. Tranquille. 30-35. Il aura peut-être évolué, hein, je suis désolé. J'essaierai de filmer. Enfin, je vous promets rien. J'ai rien. Niveau 40, j'ai pile au bon niveau. C'est très bien. Ouais, de l'XP. Pourquoi il tape up? Waouh, niveau 25, il tape up. Tout est calage, je comprends pourquoi. Ok, 3200 Pokédollars. Ah, même moi, un commandant, je ne peux pas te retarder. Enfin, ce n'est pas grave. Tu es trop jeune, tu ne pourras jamais inverser le flux du temps.
La Team Galaxy trouvera les 3 Pokémon des joueurs des likes grâce à leur pouvoir de faire mes grands de l'univers à l'heure qu'il est, marge d'avoir capturé les Pokémon de la qualité. Voilà, en plus il a dit où je vais aller. Voilà, donc ça c'est la marque de créer elf. C'est le créer pas le pareil. J'irai peut-être le capturer, ça sera une surprise. Envole-toi, étourvole, emmène-moi. Étourptor, pardon. Oh là là. Allez, on retourne à notre beau pays. Je suis obligé de 5 minutes, 35 minutes de vidéo normalement à peu près, là vous devez être. Je me fais guérir. Merci ma chérie. Merci ma maman. Je sauvegarde devant vous. Et. Ouh, 22h pile. Waouh. Eh ben c'est très bien tout ça. 142 Pokémon dans le Pokédex. Très bien, donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Mettez-moi un petit pouce vert pour que je continue. Hein. Ça me fait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 30. Allez, salut tout le monde.